السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء من الصف الثاني ابتدائي، أقدم لكم هذا الفيديو صحيح التمارين العطلة لهذه العطلة البينية خاص بالنسبة للتلاميذ المستوى الثاني ابتدائي. سواء من أولا أقدم لكم النشاط الأول الخاص ب grammaire les accords du verbe avec son sujet. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier. La petite fille appelle mamie. La petite fille, sujet singulier, appelle, verbe au singulier, mamie. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Les deux sœurs appellent mamie. Les deux sœurs, sujet au pluriel, appelle mamie, appelle, verbe au pluriel. المهم هو التصحيح ديال التمرين الاول اونكادغ لي فيرب اي سولين لي سوجي خاصكم تميزو ما بين السوجي وما بين الفيرب الفيرب دائما تيكون في الدوزيام بلاص الا هاديك لاكسيون بيان سور ليليف كيسك الفا ليليف ليليف رونج سون كارطابل مون مي فخيغ ايد مون بيغ ايم تو لي فيلم داكسيون لي بيتون اتوند لوتوبوس اي نيتوا سا فواتور مامون اي توا شونتي فو اللي يهمنا اكثر هو كيفيه التاطير ديال الفعل وكيفيه التمييز ما بين الفعل والفاعل. الفاعل هو السوجي والفعل هو الفعل. ليليف رون سون كابابل جو سوني لي ليليف اي جون كادر رون سي لا ميم شوز بور لي زوتر اكزامبل مي فرير اد ام تو. هنا عندنا لا فراز انتروغاتيف بيان سور تنقدمو الفعل الفاعل ام تو لي فيلم داكسيون اللي اسمها الانفيرسيون دو سوجي لي بيتون اتوند لوتوبوس اي نيتوا سا فواتور مامون اي توا مامون اي توا شونتي فو. حاولوا تصحوا هذا التمرين هذا وفليسيتاسيون بور لي زيليف كي اون ديجا ابتوني دو بون ريزولتا. بالنسبه للتلاميذ اللي حصلوا على نتائج طيبه في التمرين الاول وفهموا له بشكل جيد وقاموا به من بانفسهم وتقريبا جميع الاجوبه كانت صحيحه فيليسيتاسيون. غرامير لو ماسكولين لو فيمينان نيميرو 1 ان نو اي دو جون ماسكولين كونت لي بريزيدي دي ديتيرمينو 1 او لو بون اي سو ان نو اي دو جون ماسكولين كونت لي بريزيدي دي ديتيرمينو خاصنا نفهم بان لي ديتيرمينو 1 او لو بون سو خاصنا غير بالاسماء المذكره ان نو اي دو جون ماسكولين quand il est précédé du déterminant 1 ou le mot issu, un nuage, le garçon, etc. Un nom est du genre féminin quand il est précédé du déterminant une ou la ou ma ou cette, une fille, cette fleur, etc. Alors, place le déterminant le ou la. Devant les noms suivants, on dit le soleil, le froid, le gel, la tempête féminin, le météo, la neige, la chaleur féminin, le nuage. La grêle, le vent, la température, le brouillard. Alors le soleil, le froid, le gel, la tempête, le météo, la neige, la chaleur, le nuage, la grêle, le vent, la tempête, le brouillard. Félicitations pour les élèves qui ont obtenu de bons résultats. Grammaire, le masculin, le féminin, numéro 2. Je retiens. Un nom peut être du genre masculin ou du genre féminin. Un nom peut être du genre masculin, comme un ami, un renard, ou du genre féminin, comme une amie, une renarde. On écrit le féminin du nom en leur ajoutant la lettre E. E du féminin. Un ami, une amie. Un renard, une renarde.
On peut aussi ajouter un accent grave, comme le premier, la première. On double la consonne finale, un chat, une chatte. On change la consonne finale, un loup, une louve. Un voleur, une voleuse. Par exemple, écris le féminin des noms suivants, puis entoure la marque du féminin. La marque du féminin, c'est une toujours. Et E. Surtout E. D'accord? On ajoute ici E. Bon. Un ami, une amie. Un ours, une ours. Un voisin, une voisine. Un éléphant, une éléphante. Une invitée, un invité, une invitée. Un lapin, une lapine. On ajoute toujours E du féminin à la fin des mots. Une amie, une ours, une voisine, une éléphante, une invitée, une lapine. إذا نلتقي بكم إلى النشاط الممل. Conjugaison, le présent du verbe aller et faire. أذكركم بالقاعدة. Le verbe aller conjugué au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Et là, le verbe aller conjugué au présent. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va. Nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Le verbe faire conjugué au présent, eh bien, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, ils font. L'adoucissement des verbes irréguliers, صرفين في présent. Il y a un certain nombre d'hommes qui m'a au moins autodicté. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, ils vont. Il y a un certain nombre autodicté, je fais, tu fais, elle fait, en fait, le faisant, vous faites, ils font, ils font. بالنسبة للمثال الأول عندنا il manque la dernière lettre associée chaque verbe à la lettre qui convient. Tu vas, elle fait, mes parents font, elles vont, nous allons, je fais. إذن كاينين بعض الأفعال اللي متعلقين بالتاء وكاين بعض الأفعال اللي متعلقين بالإس. Tu vas avec S, elle fait avec T, mes parents font avec T, elles vont avec T, nous allons avec S et je fais avec S. بالنسبة للتمرين الثاني choisis le sujet qui convient dans la liste. On dit je fais, nous allons. Il y a je, elle, nous, vous, elle. Donc c'est seulement le pronom personnel sujet. C'est notre forme finale. Je fais, nous allons, ils vont, vous faites, ils vont. Alors, raccourci, je vous jette comme ça. Alors, félicitations pour les élèves qui ont déjà obtenu de bons résultats. Alors, conjugaison maintenant, le présent du verbe être et avoir. Le verbe être et avoir conjugué au présent. Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elle, ont. Le avoir. Le présent. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, ils ont, ils ont. Le verbe être présent, je suis, tu es. Il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, et ça, et ça. يعني يجب عليكم حفظه بشكل جيد والتمرين عليه على شكل اوتو ديكت جي تو يا ال ا ال ا اون ا نو زافون فوز افي ايزون ايزون جي سوي تو يا ال ا ال ا اون اي نو سون فوز ايت ايزون ايزون سوني لو فيرب سوني لو فيرب اي كريز اون انفينيتي جي ان نوفو ريجيم نو سوم اون بون سونتي Elle a des médicaments dans sa poche. Vous êtes très sportif. Ces fruits sont très bons pour la santé. Maintenant, le verbe avoir, j'ai. Maintenant, le verbe être, nous sommes. Maintenant, le verbe avoir est là. Maintenant, le verbe être, vous êtes. Maintenant, le verbe être, ces fruits sont. J'ai un nouveau régime, c'est le verbe avoir. Nous sommes en bonne santé, c'est le verbe être. Elle a des médicaments dans sa poche, c'est le verbe avoir. Vous êtes très sportif, c'est le verbe être. Ces fruits sont très bons pour la santé, c'est le verbe être. Ouf, complète avec le verbe avoir au présent. Tu as des fruits frais. Tu as. On doit mettre AS. Tu as. Tu as des fruits frais. Elles ont de la chance d'aller à la piscine tous les jours. Nous avons un nouvel hôpital dans notre ville. Elle a appelé le médecin. On passe maintenant aux activités d'orthographe. Leçon K. Leçon K s'écrit le plus souvent avec C ou Q.
devant les voyelles A, O, U et le consonne L ou R. Le son K s'écrit C. Un carré, un cré. المهم هذا جانب من القراءة باللغة الفرنسية. لو سون كا عنده عدة كتابات، من بينها كا ومن بينها سي و كي كما تلاحظ. بالنسبة للتر سي أمام أ أو 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 كذلك لي كونسون إل و إر تنطق كا كوم أن كاري أن كي. دوفون لي فويل أو أو Devant les voyelles E et I, le son K s'écrit Q. Q. Une flaque. Une équipe. Le son K peut aussi s'écrire avec K ou Q ou avec deux C ou avec CH ou CK. Par exemple, un koala, 5, une occasion, un orchestre, un ticket. Entoure les lettres qui font le son K dans les mots suivants. Un canapé, un kilo, un moustique, d'accord, un coq, la chorale et le recul, une casquette. Et la nana, c'est l'artin. J'entoure. C'est l'artin. Un canapé. Un kilo. Une moustique. D'accord. Coq. Chorale. Recul. Casquette. Il est là que les casquettes. C'est là que les chorof. Les comptes bi. إحاطة بهم هذيك تسمى لو سون كا اونتور لي لتر كي فون لو سون كا دون لو مو سوفون راقبوهم بالنسبة للتلاميذ اللي حصلوا على الجواب الصحيح فليسيتاسيون وفي الأخير لدينا لا لتر سي هذا داخل في إطار ديال لوغتوغراف كذلك لا لتر سي لا لتر سي ترانسكري بار لو سون كا lorsqu'elle est suivie des voyelles A ou O. مثلا عندك لا لتر سي اذا في الاصل ديال السي امام A ou O U تنطق ك ان كاري ان كوتي ان كو لو سون كا lorsqu'elle est suivie des consonnes L ou R كيف ما شفنا في التست السابق اي بارفوا H ان كري اون كلي ان كور اون دي با ان شور ان كور لو سون S le son C lorsqu'elle est suivie de voyelles E, I ou Y, lorsqu'elle porte une syllabe devant les voyelles A ou U. Donc, il y a maintenant les chorof E, U, Y devant la lettre C, donc c'est à dire ce, si, ici. Mais il y a A ou U, voilà, on dirait l'accent une syllabe devant les voyelles. Une trace, le ciel, il le sent. Le son. Je vous parlerai de quitter avec le son à nécessité. Le son lorsqu'il est suivi de la lettre H. Une chanson. Alors, celui les mots dans lesquels la lettre C se prononce K. Se prononce K comme cadeau. Trace non. Tricot. Continue. Cigale et façon non, chapeau non, classe, culotte, couleur, compte. Il y en a deux mots, j'espère que les ferons le son cadeau, tricot, cantine, classe, culotte, couleur, compte. إذن نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله وفيليسيتاسيون بور لي زيليف كي اون ديجا اوبتوني دو بون ريزولتا هذه غير هذه الفيديو توضح لهم تمارين العطلة البينية الثانية في هذا الموسم الدراسي